J'ai testé Burger King en Italie et je vais te montrer ça aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bon, déjà on démarre par la boisson, elle est gigantesque. Ensuite j'ai voulu tester toutes les choses qu'on n'a pas en France et notamment les potatoes. Et en vrai je sais pas pourquoi on n'a pas ça en France, elles sont vraiment hyper bonnes. J'ai également pris quelques nuggets et tu vas voir, elles sont assez spéciales. Bon déjà au niveau du visuel on dirait celle du McDo et autre chose, elles sont véganes. Et si sur la vidéo je suis autant choqué, c'est qu'elles ont vraiment le goût de poulet. Du coup ça je valide vraiment à 100%. Pour le burger j'ai pris l'Italian Kings et alors la première chose qui me choque, il y a énormément de mâche. Sinon dedans il y a une sauce au parmesan avec un steak et du prosciutto. Le pain est vraiment super moelleux et on va démarrer avec une première bouchée. Et comme tu peux le voir, le prosciutto il est pas évident à manger, mais sinon au niveau du goût c'est pas trop mal. Seul vrai gros problème de ce burger selon moi, c'est que la salade tombe de partout. Maintenant pour les desserts, j'ai pris une sorte de cheesecake avec de la nocciolata. J'en ai mis un petit peu par dessus et au niveau du goût c'est vraiment plutôt bon. Après bon, je vais pas te le cacher, il y a rien de foufou, mais en dessert ça peut changer, c'est plutôt sympa. Et enfin le tout dernier dessert, c'est une sorte de fondant au chocolat avec je ne sais quoi par dessus. J'ai senti ça avait pas trop d'odeur. À mon avis c'est une sorte de caramel qui avait un peu durci. Pour le goût c'est plutôt bon, mais j'ai une petite préférence pour le cheesecake personnellement. Et au fait, je t'ai pas dit.